une des dernières légendes de la chanson française. C'est vrai. Vous connaissez cette chanson, je sais pas quelle, elle a combien, elle a... Elle est de 1971, 40... voilà, on a retrouvé le 45 tours 40 original. 40 quelques années, elle a... Et tout le monde la connaît, et les gosses la connaissent. C'est une phase B, hein, c'était une phase B. Absolument. C'était une phase B, c'est mon Pierrot qui est là, avec mon Gilou, à l'accordéon, toujours, qui a 40 ans, bien sûr. Alain. De bière, de pression. Ça s'appelait La Cage aux Oiseaux, dis donc. Ah, qui ne connaît pas ? On va tous chanter avec lui, on va se lever et on va accueillir mon Pierrot Perret, mon ami. Ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez les envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Un petit dé à coudre et trois gouttes d'eau dedans. Au-dessus du perchoir, un os de sèche tout blanc. Et un petit piaf triste de vivre en prison, ça met du soleil dans la maison. C'est ce que vous diront quelques rentiers vicelards, des vieux schnocks qui n'ont que des trous d'air dans le cigare. Une fois dans votre vie, vous qui êtes pas comme eux, faites un truc qui vous rendra heureux. Ouvrez-vous, oiseaux, regardez les envolées, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Si votre concierge fait cuit-cuit sur son balcon, avec ses perruches importées du Japon, ses canaris jaunes et ses pinganis, à votre tour faites-leur guili-guili. Sournoisement exclamez-vous, Dieu, quel plumage! Mes chères madames, on vous demande au troisième étage. Et les clapignoles aura le dos tourné, même si on ne doit pas vous le pardonner. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, tout le monde, regardez les envolées, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, regardez les envolées, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Pierre. Reste là-haut, reste, ah non, reste là-haut. Les deux là, ils étaient enlacés. Il a trouvé une chérie. Il était en train d'essayer d'ouvrir la cage à son oiseau. Attends. Mais tu te rends compte des idées que tu leur donnes? J'arrivais pas à chanter parce qu'ils m'ont fait poiler. Bon Pierre, tu vas descendre, mais je voulais te dire à quel point on est heureux de te voir. Tu es encore sur les routes, là tu vas nous parler de ton bouquin. Tu veux pas nous faire un petit coup de zizi, mais tout petit, juste le refrain. Juste le refrain, juste le refrain. Tu vois, je te piège. Afin de nous ôter nos complexes, ok, ok. On nous donne les cours sur le sexe, ok, ok. On apprend la vie secrète des angoisses et de la bébête. Boutchep qui trouve des gourdis, montrer leur bigoudis. Une institutrice très sympathique nous explique toute la mécanique. Et tout, 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 vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le fou, le laid, le beau, le dur, le bouquin, quand tout le côte poupu, le petit joufflu, le grand rite et le montpellé, tout, 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 je vous
vous direz tout sur le zizi. Voilà. On a planté les musiciens. C'était pas prévu, on a planté les tout. Musiciens. Sortez-nous. Bah, sortez-nous, évidemment. Alors. Qui tient l'accordéon avec son zizi. Allez, descends, mon Pierre. Non, mais c'était juste pour faire voir qu'on était bien ensemble et que si on se met à chanter des chansons de Pierre Perret, oh il y en a pour des plombes. Moi, je connais des copains qui font des soirées Pierre Perret, tu sais, entre les belles chansons et puis les très, très jolies, et puis ma femme, et puis tout ça. Et puis, il est où le bouquin? Ça, c'est formidable. Les photos qu'il y a là-dessus, regardez bien. Les grandes pointures de l'histoire. C'est au Cherche-Midi. En fait, c'est des photos que de Pierre Perret, qui est en Napoléon, en Louis XV, François Ier, Louis XVI. En Richelieu, lequel tu préfères dans les pointures de Peut-être le petit Henri IV. Henri IV, pour le vert galant qui était persuadé que son sexe était un os. Il te ressemblait beaucoup. Comment il me ressemblait? Je ne suis pas béarné. Enfin, voyons, il n'y a pas marqué Bayrou ici. Bon, enfin, voyons. C'est quoi ça, Pierre, les grandes pointures? Ben, c'est justement l'histoire vue par un autre bout de la lorgnette, peut-être, parce que. Avec ton langage à toi. À mon avis, l'intérieur est plus intéressant que la couvrante, hein. Ouais, ouais. Et tu es parti que de l'histoire, tu n'as pas pris les mecs d'aujourd'hui. Non, pas du tout. Ça s'arrête, le dernier doit être Napoléon. Napoléon. Ah ouais. Ah oui, c'était qui, Napoléon? Voilà, c'est un garçon, un garçon du 18e. Un chanteur. Un footballeur. Chanteur terrible de la gloire. Ah, c'est un Napoléon. Vous pouvez le baïonner, s'il vous plaît. Non, je déconne. Assurance théorique. Bon, mon Pierre, heureux que tu sois là. Tu reviens quand tu veux, t'es chez toi ici. Hein, il serait grand temps de l'ouvrir cette cage, parce que l'oiseau doit avoir une sale gueule depuis le temps, Pierre. C'est vrai. Donc il faut faire quelque chose. Là. Mais tu sais, les emmerdements que j'ai eus avec ça, je ne pensais pas que ça irait si loin. Hein. Les gamins, ils l'ont vraiment fait. Toutes les cages. Mais qui sont cons, ces gamins? Très belle leçon de vie. Mais je m'en suis aperçu qu'après. T'as eu des plaintes, Pierre? Beaucoup de courriers. Ah, des menaces, t'es fou. Des menaces. On dit, mais vous êtes complètement barjoué. Tous les gamins ouvraient toutes les cages, partout, tous les jours. Ces enfants, continuez, ouvrez les cages aux oiseaux. On compte sur vous.